Bonsoir tous, bienvenue dans votre journal en français. Voici les titres de ce mercredi. Son excellence, Ketet Tessa Pibarbandet Honmanait, premier ministre du Royaume du Cambodge, a rencontré le 29 août 2023 18 000 ouvriers et employés à la zone de Prespeu, située à la périphérie de Phnom Penh. S'adressant le 29 août 2023 à environ 18 000 ouvriers et employés de la zone de Prespeu, dans l'arrondissement de po saint à Phnom Penh, Son Excellence Kete Tessin Pibal Bandet-Holmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a mis l'accent sur l'importance de la stratégie pentagonale phase 1. Il a déclaré que la stratégie précédente était axée sur les personnes, les routes, l'eau, l'électricité, mais que pour la stratégie pentagonale phase 1, la technologie avait été ajoutée pour assurer la croissance économique. Et la durabilité de la nation. Notre politique ne reste pas immobile, mais équilibrée et flexible pour les intérêts de notre peuple, a souligné le Premier ministre. Concernant la technologie, le nouveau Premier ministre a dit que le peuple cambodgien possédait déjà des connaissances et des compétences technologiques et que le gouvernement royal devait donc développer ce secteur afin de les aider davantage à bâtir un avenir meilleur. Notre secteur industriel doit être promu et valorisé. Maintenant, nous produisons certains produits de marque et nous ne sommes pas seulement un producteur de vêtements. Nous avons aussi des usines d'assemblage d'automobiles, des usines d'équipements électriques, etc. Nous devons donc développer cette capacité technologique parmi les gens pour répondre à la demande du marché du travail. A ajouté le Premier ministre, affirmant que la stratégie de développement avait été définie par le gouvernement royal du Cambodge sous la direction du Parti du peuple cambodgien, depuis la stratégie triangulaire à la stratégie rectangulaire de la phase 1 à 4. Nous devrions l'affiner pour la rendre plus efficace. C'est donc la stratégie pentagonale, a annoncé Son Excellence Kete Tessapi la stratégie pentagonale phase 1 a été officiellement lancée le 24 août dernier par le gouvernement royal du Cambodge de la 7e législature de l'Assemblée nationale pour la croissance, l'emploi, l'équité, l'efficacité et la durabilité afin de construire les bases nationales pour la réalisation de la vision du Cambodge 2050. La stratégie comporte 5 devises, 5 objectifs stratégiques et 5 priorités clés. Les cinq devises comprenaient la croissance, l'emploi, l'équité, l'efficacité et la durabilité, tandis que les cinq objectifs stratégiques sont 1. Un, assurer une croissance économique résiliente aux crises d'environ 7% par an en moyenne. 2. Créer davantage d'emplois, tant en quantité qu'en qualité, pour la population cambotienne, en particulier pour les jeunes. 3. Atteindre l'objectif de réduction de la pauvreté. En dessus de 10% et continue à maintenir le taux de pauvreté à un niveau minimum. 4. Continuer à rehausser la capacité du gouvernement et à améliorer la qualité des institutions publiques, tant nationales que sous-nationales, pour garantir l'efficacité des services publics. Continuer à renforcer la gouvernance du secteur privé et continuer à promouvoir un environnement favorable aux affaires, aux investissements et au commerce. Et 5. Assurer un développement socio-économique durable et renforcer la résilience au changement climatique. Avant les cinq devises et les cinq objectifs stratégiques, comme indiqué ci-dessus, le gouvernement royal du Cambodge a identifié cinq priorités clés pour cette stratégie, à savoir les personnes, les routes, l'eau, l'électricité et la technologie, qui sont clairement reflétés dans les pentagones stratégiques. Dans l'ensemble, la structure de la stratégie pentagonale phase 1 comprenait le cœur de la stratégie: réformer et renforcer la gouvernance, un environnement global, assurer un environnement propice à la mise en œuvre de l'ensemble de la stratégie, promouvoir la croissance économique et le progrès social. Au ministère de l'économie et des finances, son excellence à Kamada on Onpomniroit, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances, a une visite de courtoisie à Mme Carmen Moreno, ambassadrice sortante de l'Union européenne au Cambodge, à l'occasion de la fin du mandat de sa mission diplomatique au Cambodge. Son Excellence Aung Paul Menirot, vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a salué les efforts déployés par Mme Men Moreno, ambassadrice sortante de l'Union européenne au Cambodge, pour renforcer la coopération entre le Cambodge et l'Union européenne au cours de sa mission diplomatique le vice-premier ministre a exprimé sa gratitude à l'Union européenne qui apporte toujours son soutien pour le développement des domaines prioritaires clés mis en place par le gouvernement royal et pour les grands ateliers de réforme qui ont atteint de nombreux résultats malgré les temps difficiles dus aux effets de la crise du Covid-19 et de la guerre russie-ukraine pendant ces dernières années. Madame Carmen Moreno a salué les efforts du gouvernement royal du Cambodge pour assurer la stabilité politique et socio-économique et le développement du pays dans tous les domaines. Profitant de cette occasion, l'ambassadrice de l'Union européenne a prononcé ses félicitations au peuple cambodgien qui vient de recevoir d'un nouveau gouvernement né d'élections libres, équitables et justes. Elle a également exprimé sa profonde satisfaction face au lancement d'un programme politique clair, à savoir la stratégie pentagonale première phase du gouvernement royal, septième législature de l'Assemblée nationale, sous la haute direction de son excellence Tessin Pibalbandet Holmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Elle a souligné que l'Union européenne continuera à coopérer de manière efficace et étroite avec le gouvernement royal du Cambodge afin de continuer à soutenir les programmes prioritaires et les programmes de réforme du gouvernement royal pour continuer à contribuer à l'amélioration du niveau de vie de la population de toutes les classes sociales. Le vice-premier ministre a exprimé sa profonde gratitude à l'Union européenne pour sa grande volonté et son engagement à continuer de contribuer au développement du Cambodge, soulignant que l'Union européenne est un partenaire commercial important du Cambodge. Et la coopération sera plus forte et plus approfondie après la prise de fonction du nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Cambodge. En fin de l'entretien, Son Excellence Antoine Moneroy a souhaité à Mme Carmen Moreno plus de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions et de son rôle à l'avenir. Son Excellence ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Page a rencontré son excellence Chung Wang-kun, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales de la République de Corée. Au cours de la réunion, son excellence le ministre a chaleureusement accueilli la visite de son excellence Chung Wang-kun, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales de la République de Corée, qui a effectué une visite officielle de le jours au Cambodge. Son Excellence de Tina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a souligné à son homologue coréen les progrès du Cambodge qui est passé d'un pays souffrant de pénurie alimentaire en raison de la guerre civile à un pays bénéficiant de la sécurité alimentaire et des exportations alimentaires vers les marchés internationaux. À cette occasion, sans ce le ministre a remercié la République de Corée pour la bonne coopération dans le passé, en particulier l'aide du gouvernement coréen au Cambodge dans le domaine de l'agriculture. Pour la coopération future, le ministre a demandé à la partie coréenne de promouvoir l'ouverture du marché des produits agricoles cambodgiens à la Corée avec des produits agricoles à haute valeur ajoutée. Son Excellence Payaponier, ministre des Travaux Publics et des Transports, a reçu son Excellence Justin Yed, ambassadeur d'Australie au Cambodge. Son Excellence Justin Yed, ambassadeur d'Australie au Cambodge, a exprimé son plaisir et ses félicitations à Son Excellence Payaponier pour sa nomination au poste de ministre des Travaux Publics et des Transports. L'ambassadeur a ajouté qu'avec le gouvernement royal pour la nouvelle législature. La partie australienne reste déterminée à poursuivre une bonne coopération dans les domaines des travaux publics et des transports en mettant l'accent sur le développement ultérieur de la gestion des eaux usées, de la logistique et de la chaîne du froid. Au nom des dirigeants du ministère, le ministre a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement australien par l'intermédiaire de l'ambassadeur pour son soutien depuis le début, notamment l'assistance technique. Au ministère des Travaux publics et des Transports à travers le programme de partenariat pour les infrastructures routières et aux routes. Le ministre est fermement convaincu que grâce à l'assistance et à la bonne coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine des infrastructures routières, le développement dans ce domaine sera conforme à la stratégie pentagonale face 1 du gouvernement qui a identifié cinq priorités clés les gens, les routes, l'eau l'électricité et la technologie. Veuillez noter qu'après cette visite de courtoisie et cette discussion, le ministre et l'ambassadeur ont continué à présider la cérémonie d'ouverture de l'atelier consultatif sur les normes de conception des chaussées qui a été organisée pour réviser, récapituler le travail effectué dans le passé et partager des expériences en matière de conception et de construction dans le domaine des infrastructures routières. Et enfin, Son Excellence Rotha, ministre de l'inspection, a présidé le 28 août 2023 la première réunion avec environ de 400 dirigeants et fonctionnaires nationaux et internationaux du ministère. S'exprimant lors de la cérémonie, son excellence Hauden, ministre de l'inspection, a exprimé sa profonde gratitude à son excellence Ketetesapi Barmanet Houlmanad, premier ministre du Royaume du Cambodge, pour lui avoir accordé sa confiance et lui avoir donné l'opportunité de rejoindre le gouvernement royal de la 7e Assemblée nationale, le ministre de l'inspection, pour poursuivre la noble mission dans le domaine de l'inspection. En réponse aux opportunités mentionnées ci-dessus, son Excellence le, le ministre s'engage fermement à continuer de préserver les réalisations passées et d'accroître les nouvelles réalisations dans un esprit de solidarité, d'unité interne et de bonne coopération. Le ministre a également mentionné l'importance du domaine de l'inspection, que l'inspection et les yeux et les oreilles de la classe supérieure et un ami proche de la classe inférieure. À cet égard, son excellence le ministre a recommandé et rappelé aux dirigeants et aux fonctionnaires de renforcer la discipline interne, le système de travail et de renforcer la capacité institutionnelle. En outre, le ministre a conseillé de prêter attention à l'harmonisation au sein de l'unité, tant au niveau de la session, technique. Il a également encouragé le ministère à encourager les fonctionnaires à tous les niveaux sur la base de la méritocratie. de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite des programmes CTVK. À bientôt.